Voir ma nouvelle cuisinière. Pour toi, le voyage s'arrête là. Après tous les services rendus à la jacouille, elle t'abandonne. Comme on abandonnerait un petit animal au bord d'une route. Et ça te fait rire? Mais non, on va pas l'abandonner, on va la donner. Je vais te dénoncer, moi, société protectrice des gazinières, tu vas voir. Ça va pas faire un... mais on va la donner. On va la donner, mais la pauvre. La pauvre. Tu veux fais même pas faire un tour du monde. Elle a quand même les boutons viennent des Bahamas. Ouais, celle-là, elle a et une on a histoire. Vu des pizzas. Hein? Elle en a eu une histoire. Oh, et elle est contente d'abandonner. Mais c'est terrible. Je devrais avoir honte pour ce que tu fais. Monsieur, vous êtes intéressé? 50 balles. Adieu gazinière, je t'aimais bien, tu sais. Elle s'en va. Elle rigolerait pas qu'elle verserait une petite larme. Hein. Ben voilà. Hein? Elle est pas plus large? C'est que c'est sous le diagonal. Elle est plus large en profondeur? J'ai l'impression. Bien fait de rester là, Goldo, aujourd'hui, tiens. Hein? Ah, t'as vu ça? Oh, putain. Tu feras quelque chose. Ah oui. Soit on fait des caméras que je savais plus. Soit on fait bosser. Ou alors c'est le livreur de Zerti. Tiens. J'aurais pu faire un papier cadeau, Choupi, hein. Attends, toi. Ah bah ça, ça m'a pas compliqué, t'es quoi, t'es pas content. Parce que la première cuisinière, mon four n'était pas étanche, la chaleur ne restait pas dedans, et du coup ça mettait une plombe à cuire, et du coup on gaspillait du gaz, et puis ça faisait pas comme je voulais en fait. C'est marrant ça, hein. Quoi c'est marrant? C'est comme toi, il y a le sol, hein. Tu n'es pas étanche du tout. Je vous écoute, hein. Choupi va aller mettre le gasoil avec les bidons, là. On est à la veille de partir. Ah. Il avait des symptômes déjà avant Choupi. Après, peut-être que ça a amplifié le cas, l'histoire aussi, des bactéries. Moi aussi, je le doute. Je suis avec les bananes, il n'y a que toi qui crois à ça. Mais non, mais t'avais déjà des symptômes. Complotiste, va. Mais non. T'avais déjà des symptômes, ça a peut-être amplifié. Mais non, c'est la bactérie, une fois qu'elle y est alliée. Okay. Je suis avec vous, j'y ai pensé, je me suis dit, c'est peut-être le gasoil, la bactérie, il y a plein de choses. Le wasabi, j'avais les travers. Ou la petite jacouille qui l'aura mordu dans le cou. Avec ses petites dents de Komodo, là. Les petites bactéries. C'est le retour de l'hydrogénérateur. Avant mon accident, nous avions reçu les deux fémelots de l'hydrogénérateur. L'hydrogénérateur, c'est génial. En grand voyage comme nous, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que l'hydrogénérateur par rapport à une éolienne. C'est mon avis personnel. Le seul souci, ces trucs-là. Donc ça nous a coûté un petit peu quand même de racheter ces petits fémelots. Et voilà, le problème, c'était les sargasses, toutes les merdues. Je ne pense pas remettre l'hydrogénérateur ici aux Antilles. Du bien pour ces meufs. Seulement une petite clé de vis suffit pour changer donc les deux fémelots, donc c'est très très simple. Il y a des tiges filetées comme ceci pour celui du haut et exactement la même chose pour celui du bas. Deux axes ici et ici qui vont à cet endroit là et voilà ce qui reste des anciens, ce que j'avais fabriqué. Voilà ce qu'il me reste des anciens fémelots. Trois ans de tour du monde. C'est quand même assez fragile hein, ça hein, finalement. Il a dit c'est un petit pet, donc on voit bien qu'il a tapé en fait quand on était entre Haïti et Cuba. Donc j'espère qu'il marche toujours par contre. On n'est pas investi tout ça pour rien, mais comme il a traîné derrière en pleine nuit, j'espère que ça va pas tirer sur l'électricité. On fera le test quand même, sans sargasse, pour voir si ça marche bien. On va prendre une petite météo pour demain. Direction Cariacou, à peu près pas loin de 120-130 000 par rapport au mouillage de Sainte-Anne. On va peut-être s'arrêter à Bécoué pour la nuit. Si bien le petit bateau rouge, si Ajaccio ne met pas la pompe à eau, ça serait bien. Demain, démarrage 6 heures, ça va être de l'est-sud-est. On va être au bon plein travers. On va être sous le vent de Saint-Vincent sans trop de vent. On va avoir du sud-est à la sortie de Saint-Vincent 10 nœuds. Mais le vent, ouais, il est faible hein, quand même. 11-10, 11 nœuds, 10 nœuds, rafale à 13-14. Risque orageux, il y a des risques orageux quand on va passer sur Sainte-Lucie ici. Il y a des sourires, regardez le sourire de la jacouille. Hein? Ça, c'est pas un beau sourire de la jacouille, vas-y. Oui. 5h10, le jour va se lever, bonjour les bananes, c'est parti. En voiture Simone,
Par ici, que je te ramène. Deux moteurs démarraient pas ce matin. Le guindeau. Mais il est tout mou. Il est tout mou. Attends. Il est tout mou. Hein. Il reste beaucoup ? Bah oui, on a presque rien. Vas-y. Ok. Alors le guindeau s'est débloqué d'un seul coup. Donc on a un doute sur la batterie moteur. On part avec la pleine lune en plein jour. Problème bâbord ce matin, le moteur qui ne démarre pas. Problème tribord ce matin. Problème de moteur qui ne démarre pas. Problème frontal sur Black Lion, le guindeau qui se coupe qui est tout doucement. Maybe, problem of the battery. Maybe. We don't know. We see later. See you soon. Je crois qu'on nous a appelé. On va à la rescousse de papa de la mer. C'est pas trop ce qu'il a. On va s'approcher. Il n'y a pas le moteur allumé là. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Jennaker? Alors le Jennaker c'est quand même une voile assez délicate. Et je sais pas, il y a un truc qui va pas. Bon bah l'idée notre papa de la mer, notre maman de la mer là qui sont dans l'embarras. Tu me dis bébé quand t'as mise à l'eau? Bon, alors ça c'est une première hein, les bananes. Tu sais bien marcher arrière et tout hein. Ok. Là, Choupi m'a mis au point neutre. L'enrouleur s'est bloqué. Voilà, on est en train un peu trop de dériver, du coup j'avance un petit peu avec la quille. Ah purée, c'est moi qui avance avec Blackie, toute seule. Tu es remis au point neutre et puis on s'est rapproché un peu. Je pense qu'ils ont, ça y est, ils ont rangé le Jennaker complètement. Je vous raconte après, il faut qu'on remonte la GV. Et on repart. Ils vont me tuer. C'est banal. Je crois que je vais accepter une de la première cagnotte pour mes frais hospitaliers. Ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Oh putain. Je vous raconte. J'ai avancé toute seule, ils ont vu les bananes. On peut pas laisser crever la gueule ouverte. Mon papa est vraiment de la mer quand même. Ils peuvent encore servir. Mais je l'ai vu déjà au bout d'un moment. Alors le Jennaker, je vous le dis souvent, c'est une voile qui est géniale. Mais alors attention, je vous le dis aussi souvent, attention, attention. Et là, c'est le point de la galette. Je mange de la galette, savez-vous comment? Le point de la galette qui a pété. Vous savez, ça nous est arrivé quand on est passé à Dominique. Il avait commencé à enrouler, ça a surpâté dans l'enrouleur. Ben, impossible de l'enrouler, même à la main. Et la technique, on a baissé la grand voile, rangé le Jennaker. Et je suis parti en annexe, j'accouille au contrôle de Black Lion. Elle vient de saluer cette fois, elle vient de faire la première traversée océanique entre Sainte-Lucie et à Progrès. Hein. Et j'ai laissé le bateau tout seul, je dis, bah tu vois, c'est la dérive. Et heureusement, il n'y a pas trop de vent parce que dans une condition extrême, je pense pas que j'aurais pu les aider. Hein. Ça aurait été, je sais pas comment j'aurais fait. J'aurais fait tout mon possible. Remarque, condition extrême, il n'y aurait pas eu le Jennaker. On a fallu vite fait le Jennaker. Putain, le coinceur est bloqué évidemment. Je dis à Marcel, lâche tout. Et le truc qui est bloqué tous les 10 cm dans ces moments-là, j'ai pas envie que ça arrive. Et, on a mis le Jennaker dans la cale.
Et je crois que papa et maman de la mer sont pas prêts de le remettre. Hey, t'as plus besoin de kiné respiratoire, toi. Et là, on a un nouveau bateau, des bananas, ils sont à côté de nous, puis on va les filmer. Ah, on va filmer les bananas. On les a rencontrés hier, ils sont venus nous voir au mouillage. Et puis du coup, ils nous ont rejoints. Ils sont juste là. Je vous montre, ils ont un beau bateau. Là, oui. Là, j'ai un couille, alors je lui dis, alors c'était comment d'avancer Blacky tout seul? Elle me dit, ouais, c'est dommage qu'il n'y ait qu'un moteur. Je dis, non, il y avait les deux moteurs. Ah, j'ai croyé qu'il n'y en avait qu'un. J'ai tremblé comme une feuille. C'est une voile qui reste souvent dans la baille à mouillage, une fois qu'il vous arrive un gros problème comme ça, une fois que vous êtes fait peur. C'est pour ça que je check assez souvent, c'est pour ça qu'on a changé les mérillons du haut, la manille du bas, et dès qu'il y a du vent, on le plie, et ou alors vraiment, il faut que je sois sûr de moi. Là, il y a 15 nœuds. Normalement, à 15 nœuds, avant, je le rangeais. Maintenant, je prends un peu plus d'assurance. Quand je descendais le Jennaker de Papounet de la mer et de ma moulette de la mer, j'avais des Black Lion au loin et je me disais, wow, comment je vais faire pour revenir au bateau? Je me suis avancé. Je vais risquer ma vie, moi, pour revenir sur mon Blacky. On a le courant pour nous. Le vent, il y a entre 13 et 15 nœuds. On avance entre 9 et 10 nœuds. C'est un plaisir de naviguer dans le canal de Sainte-Lucie. J'ai les cœurs, j'ai mis toute la voile. La traînée de Black Lion. Sur les grippes, ils annonçaient qu'il resterait du 10 nœuds. Donc on va voir si on va faire de la voile tout côté sous le vent de Sainte-Lucie. Attention aux deux pitons, il y a du vent catabatique. Donc bien surveiller la surface de l'eau quand on arrive au niveau des deux pitons. Mon petit Black Lion me fait grandement plaisir. Regardez-le. Et je peux vous dire qu'il avance bien, hein, mon petit Blacky là. 8 nœuds 4, 9 nœuds, 9 nœuds 6. Vitesse du bateau élevée. On vient de partir avec 14 nœuds au bon plein. J'ai un coup, il a l'air mais qu'est-ce qui se passe? Ben non, mais je le sens dedans, c'est super confortable à 12 nœuds dedans. Et 12 nœuds, pointe à 14 nœuds. On dirait qu'il vole, Blacky. À 20 nœuds devant. C'est sûr, je rangeais le Jennaker avant les deux pitons. Là, je me fais plaisir avec mon petit Black Lion sans trop lui faire mal, il n'y a pas de vague. Regardez, c'est super calme. Ah ouais, c'est super. Et ça fait longtemps les bananes qu'on n'a pas fait ça. Hein. Je dis à mon choupi, tu trouves pas qu'avec mon Lycra, je fais un peu Lara Croft? Vous savez ce qu'il me dit? Vas-y, dis. J'ai plutôt dit Lara Croft de chez Wish. C'est sympa, hein. Merci les bananes. Merci. Je veux mieux, je veux mieux. Ça va, on continue à avancer sous le vent de la Sainte-Lucie. Par contre, attention là-bas, ça moutonne. Donc, il y a une accélération, on voit très très bien. Vous ne verrez pas sur la GoPro, mais moi je vois très très bien. Je vous le dirai à ce moment-là. Regardez plutôt. C'est bien blanc sur ligne, c'est sûrement un courant, c'est pas grand-chose. Donc, toujours regarder la surface de l'eau quand même, hein, dans les endroits qui craignent. C'est un indicateur avant de nous faire avoir. C'est à 200 mètres devant nous, mais ça a l'air d'être un courant. Là-dedans, il peut y avoir du poisson. La jacouille évite d'aller remonter la canne parce qu'il y a sûrement des sargasses dessus, je mise, mais ça peut être un effet de vent hein, par rapport aux deux pitons là-bas. Bien se méfier, en fait c'est un courant. Oh là là, mais l'épaisseur qu'il y a dessous, incroyable! Et j'ai jamais vu ça. Les sargasses sont à 2 mètres sous l'eau. Sous le vent, tout à la voile avec du sud-est, un petit sud-est. Deux pipons magnifiques. Au niveau des deux pitons, plus de vent du tout. Et là, il y a un nœud et demi de notre courant. Déventé par les deux pitons ici, donc on va avoir fait une heure de moteur. Et devant, cette fois, je suis sûr de moi, c'est blanc et ça moutonne.
Donc le vent était annoncé sud-est, donc ça va revenir comme ça. Le vent va reprendre, vous allez voir, d'un seul coup, comme ceci. Hop, il va venir de là. Et là, on va pouvoir remettre de la voile. Là, on commence à avoir la houle de face. La girouette tourne de travers. À mon avis, le vent va tourner par l'arrière, ça va faire un empannage. À l'œil nu, vous voyez l'écume à la surface de l'eau. C'est flagrant. Toujours surveiller, pas avoir l'effet de surprise en disant « Ah bah ça alors, on me l'avait pas dit. » Mais et Saint-Vincent, je sais pas ce qui va se passer, parce que chaque île a vraiment son relief particulier. Il n'y a pas vraiment de règles. Entre Saint-Vincent, Sainte-Lucie, la Dominique, un amas de sargasses juste dans la séparation, dans la frontière. Alors le vent il tourne ou il tourne pas? Allez hop. Ok, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait me faire mentir. Allez, passe de l'autre côté. Merci. Je commençais à me donner un doute, ce truc-là. Eh bien, allez, on va mettre le Genec. Le vent est repassé nord-est, mais il devrait être un peu plus sud-est quand même. 9 nœuds de vent. Magnifique Saint-Vincent. Vraiment une belle navigation. Allez, on si ça pouvait être tout le temps comme ça dans les canaux. Moins de 10 nœuds, parfait pour nous. Bon, on va arriver de nuit, banane à Bécoué. On longe Saint-Vincent. Coucher de soleil, regardez comme c'est beau, juste derrière. Et je retourne, petit whoosh. Coucher de soleil juste derrière moi. Petit whoosh. C'est magnifique. Sur la montagne. Petit whoosh. Je sens que ça vous plaît le petit whoosh. On va arrêter là. Vient de se coucher, on n'est pas encore arrivé, on va passer une belle nuitée chez la nuit. Lucky, c'est pas une rime. Tous ces efforts pour ça. Bon, bah, c'est une petite navigation de nuit de 2-3 heures avant d'arriver à Bécoué. C'est pas grave, on a le temps. Bon, là, le vent est tombé complètement, on arrive à pointe sud, c'est marrant. Donc, quand c'est est, sud-est, les points de sud, il n'y a pas de vent et le vent va tourner un peu. Il passe même ouest, sud-ouest. Voilà, on va essayer de coucher, c'était magnifique. Et on va passer une petite nuit à Bécoué et demain direction Cariacou et on sera à 24 heures de voir mon fiston. Parce que c'est mon fils. Là, Jacques va vous dire que c'est son fils, mais en fait c'est mon fils. C'est le mien. My son, my warrior. Plus que 37 000. On est arrivé dans la baie. Comment ça s'appelle ? À Bécoué, dans la baie de, je sais plus comment ça s'appelle cette baie-là. Décidément, ils ont pas de chance aujourd'hui. Là, papa, maman de la mer, ils ont pété le câble d'embrayage. Quand ils sont arrivés, le bateau s'est mis à tourner autour de l'ancre. Donc, je vous explique, c'est parce que ça nous est déjà arrivé il y a longtemps, pas avec Black Lion, mais avec pirate.com. Vous pensez que vous arrêtez, vous mettez au point mort sur les manettes de gaz. Comme le câble il a cassé, et ben l'inverseur est toujours enclenché en marche avant ou en marche arrière. Que ben, sur le moment. Vous vous demandez toujours, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Et en fait, c'est le câble qui est cassé, donc faut vite couper le contact et arrêter le moteur. Là, il a tourné en rond autour de l'ancre et le temps qu'il comprenne que le moteur était toujours embrayé. Parce que vous l'entendez tourner, mais vous vous rendez pas compte qu'il est embrayé. C'est pas mal pour une petite journée de Lagoon 420. Il faut le réparer avant de partir. Nous sommes à Bécoué. Il y a du monde. Je reviens pas la nuit dernière, il n'y avait personne. 37 000 nous séparent de Cariacou. Et aujourd'hui, le vent se lève. Sur ma banlieue, j'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. Qu'est-ce que je pourrais foutre, mon de Dieu? J'ai pas un rond et j'ai pas l'air. Sérieux. Sérieux. À 14 ans, mon paternel m'a fait embaucher à l'usine.
Deux jours plus tard, j'ai fait la belle. Pareil que je suis un fils indigne. Bordel. Bon, le moteur bâbord a eu du mal à démarrer avec un drôle de bruit bizarre, très très bizarre. Bordel de cul de canard, le guindeau qui démarre pas ce matin. Le moteur qui démarre pas à bâbord, il y a un faux contact encore dans le truc, faut que je sais pas, je sais. Oui, je sais les bananes, faut que je mette un switch. Mais j'ai pas eu le temps, excusez-moi, je suis un homme très pris, sinon vous avez pas de vidéo. C'est la merde ce matin, bien sûr. Faut que je m'en occupe dès qu'on arrive parce que j'aime pas ça. Imaginez, on dérape, le moteur démarre pas, le guindeau il remonte pas. Tout va bien. C'est mon plaisir, c'est ma récompense. Alors Coco, ça va? T'es bien sur Black Lion? Alors petit père, nous allons passer à côté de papa et maman de la mer. Ça bombarde les bananes. Black Lion est à plus de 8 nœuds 5. Nous sommes en train de passer Union et nous sommes plus qu'à 14 000 de Kariakou. Kariakou, là où tout va recommencer, juste derrière moi. Plus que quelques heures avant de voir Jonathan. Blacky régate avec un 570. Attention, hein. Un Lagoon 570, c'est juste à côté de nous. C'est pas du kiki du bistouk, hein. 17 pieds de plus. On se tient quand même, hein. Bon, en fait, on s'entraîne parce que demain, attention, hein, on va accueillir Chouchou, hein. On va être plusieurs bateaux. Il y a plein de bananas qui viennent nous rejoindre. Traverser en solitaire à 24 ans. Il mérite un bel accueil quand même, notre fils, hein, mon chou. Nous y sommes, ça y est. On y est les bananes. Nous sommes à Kariakou. C'est le lieu de toutes les rencontres. Il est quelle heure? 13h49. Dans moins de 24 heures, on voit notre fils. Et on va surtout faire la clairance avant. Parce que la jacouille, ah, c'est chouette, on va se baigner. Du style, du temps. Mais... Non, mais imaginez, vous allez prendre l'avion, vous devez passer l'immigration et les douanes, et la jacouille, elle se dit, oh, bah tiens, il y a une piscine municipale dans l'aéroport. Tu pues pour aller voir l'immigration? Non, je ne pue pas. Ah, si, tu pues. Non, c'est toi. Alors, je t'ai déjà dit que tu as la bouche trop près du nez. Non, alors là, je suis désolé. Tu pues, je t'ai dit. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Non, c'est faux, c'est toi qui. Par contre, c'est un truc de fou depuis que je suis arrivé tout à l'heure. C'est le troisième que je vois à poil. C'est quoi ce bordel? On est dans un camp de nudistes là? J'ai la couille. Ah, poil, j'ai la couille. Lundi 12 septembre. Première chose qu'on fait au petit matin, position de Sagarani. 4,2, il est au sud-est de Tobago. Distance from my location, 189 000. Ça veut dire qu'il va arriver demain matin. Non mais on est 24 heures. Il arrive que le 24 heures a déjà sorti une corne de bruit. Elle est mal celle-là. Je suis contente. Alors là, jacouille. Jacouille. Fiston. Voilà. Okay. Les bananes, vous avez intérêt de préparer vos oreilles demain. Après 3 ans quasiment de séparation, 2 océans qui nous ont séparés, heureusement que Messenger était là. Ah oui. Nous allons garder le contact. Sans ça, ça doit être. Ben, je plains les moments d'avant. D'accord, c'était très intéressant. Nous sommes à Fréga Thaïlande, île perdue de Kariakou. Avec le papa de la mer, la maman de la mer, et il y a 2 bateaux qui vont arriver pour accueillir Jonathan avec tes poètes. Les poètes. On essaye les bananes, on essaye. Ah. Ça marche. Mais il est malade, mais à côté de ses oreilles, mais elle est complètement malade. Hein. Attends. C'est bon. On est prêts, les bananes. Ah, il faut mettre la banderole. Kariakou. Ça y est. Comment fiston? C'est trop content, ton cœur. Bon, Jonathan est à 5000. Attends, je les mets dehors, on y arrive. Allez, dégagez, dégagez. Il vient de manger ce soir. Il y a Keep Cool avec nous. Et il y a papy et mamie de la mer. C'est la première fois que tu as monté la voile aussi vite. Plus vite. On va le louper. J'arrive enfin aux Caraïbes et je vais rejoindre mes parents qui sont à maintenant 5000 de moi à Fréga Thaïlande. Ils se trouvent juste là et puis là ils partent du mouillage. Je capte enfin internet donc j'ai pu leur écrire et ça y est, les grandes retrouvailles, c'est parti. On l'a en vue de très loin et qu'il y a 5000. J'arrive depuis des mois. Ça
Sagarani, Sagarani, Sagarani de Black Lion, Black Lion, Black Lion. Mamouna, est-ce que tu m'entends? J'arrive. Ça y est, mon cœur, on te voit, Hélène, arrive, on arrive. J'ai rien compris ce que t'as dit. Sagarani, Sagarani, this is Black Lion, Black Lion over. Sagarani, in 12 minutes, we are front of you. What a very good English accent. Yes. Yes, see you in 10 minutes, my son. On n'arrive pas à la tenir. Mamounette fait quelque chose, on la tient plus. Dis-le. Moi, je dis qu'il faut que tu... Ah là là, va se blesser avant de, oui, de le revoir. Tu te calmes. Tu veux que ton fils se voie un petit morceau cassé, ah, en train de pleurer? Non. Non, ça va partir de là, ça va arriver là. Tu vas te calmer. On prend le cucu, hein. Allez. Elle chiale, elle chiale, elle est comme si elle est pas assez beau de merde dans les océans. Il est là, il est juste devant nous. Dans les étraves de Sagarani. Ça y est, on y arrive, les retrouvailles. Il a dit pleure pas. Ses lunettes noires, le capitaine. Hein? Hein, capitaine? Hein, capitaine? Mais c'est tranquille, maintenant j'appelle la police. En solitaire, tout seul. Tu l'as fait, mon bébé? Ouais. Quatre bateaux avec nous qui sont venus accueillir Jonathan. Aujourd'hui, journée particulière. Pourquoi? Parce que c'est l'arrivée de Sagarani. Ceux qui suivent un petit peu les voiliers sur YouTube
Y a donc Black Lion et puis il y a leur garçon, Jonathan, qui a traversé l'Atlantique Sud tout seul. Il est parti du Cap de Bonne-Espérance. Il est remonté en Namibie, il s'est arrêté à Sainte-Hélène, au Brésil, en Guyane. Et là, il est en train d'arriver à Kaiyaku. On est un peu en retard sur l'horaire, mais voilà, il y a quelques bateaux pour l'accueillir. Alors on les rejoint rapidement, parce que c'est quand même un sacré exploit et un sacré bonhomme. Ça, quand on sait ce que ça représente, on se dit franchement, avoir fait tout ça en solitaire, c'est génial. Donc pour lui, avoir passé autant de temps tout seul sur l'eau, je pense que voir des bateaux arriver et, pour l'accompagner, ça doit être une belle surprise et un bon moment. Je suis avec mon fils. Oh là là, magnifique. J'ai pas vu que du thé. Ça fait bizarre d'avoir notre fille juste à côté. Au petit réveil. Kaiyaku, on a du mal à le croire quand même. Voilà, juste là. Devinez l'idée qu'on vient d'avoir. Notre fils est à côté, on l'a pas eu pendant 3 ans. Qu'est-ce que vont faire les parents chiants? On va aller le réveiller. Et on va lui préparer son petit déjeuner. Regardez, j'ai préparé la petite tartine déjà. Avec le petit cœur. Avec le petit cœur dessus. Oh, les parents chiants. Toum, toum, toum. La mère je veux repartir chez papa et maman et t'apporte le petit déjeuner. Oui, you petit couille. La pâté. C'est quoi ce bordel? C'est de la pâté. Ça, il aime pas. Oh. Oh, il fait la révérence devant son papy. Debout à l'école, feignasse. Alors là, vous êtes dans la chambre de Sagarani. Eh oui. Le papa de Sagarani, c'est-à-dire moi, un jour, quand il a acheté Sagarani, j'ai fait une cloison ici pour qu'il y ait 2 chambres. Et en fait, un mois après, qu'est-ce qu'il a fait? Le fiston Sagarani, il a tout viré. On l'a fait tous les deux, la cloison. Ouais, et toi, t'as tout viré. Oui. Alors, moi, je te jure, je t'avais dit, je suis dans une cage. C'est papy.
Un colis encore, les bananes. Un colis. Là, il faut que je fasse attention. Tu vas te blesser avec le cutter en grosse banane. Attends, je prends les ciseaux. Mets-le aussi dedans. Attention, les bananes. Je prends. Regardez ça. Les... Il est classe, celui-là. Il est beau, hein, c'est comme du lycra. Excellent. Oh, super. C'est moi, la reine des patates. Jacques Couille, pas des nouilles, la reine des patates. Vous savez que mon fils, à son retour, je devais lui faire un cordon bleu et des patates rissolées. C'est son petit plat préféré de sa maman. Et ben, comme la dernière fois, on était trop nombreux, on a fait patates rissolées hier sur Keep Cool. Et j'ai gagné. Je suis la reine des patates. C'est la reine des patates. Et ce matin, papa de la mer sort le bateau Calino de l'eau, Lagoon 420. Et je vais vous filmer tout ça parce qu'en plus il a cassé le câble d'embrayage du bateau, donc il a un moteur et un catamaran avec un moteur, c'est très peu manœuvrable, donc on va l'aider à sortir le bateau avec deux annexes autour. S'il venait à virer un peu à droite, à virer un peu à gauche, et ben nous sommes là à la rescousse pour le papounet de la mer. Je suis fatigué ce matin. Mais oui, mais hier t'as vu tout ce que t'as vu. Calino, pardon. L'employé de Calino, la mère qui emmène à la rentrée scolaire son fils. Coucou les petits chacalots. Alors Calino n'a plus qu'un moteur, voilà pourquoi on est là au cas où il ne serait plus manœuvrable. Et ça va, il n'y a pas de vent, c'est assez calme et on va l'aider à rentrer dans la darse si toutefois il n'est plus dans l'axe de la darse. Alors on va regarder d'où vient le vent. À quel côté on doit pousser, côté opposé au vent. Si le souffle arrive, le vent arrive comme ça de bâbord, et ben ça veut dire que le bateau va partir comme ça. Il n'y a qu'un moteur, mais le moteur qui marche c'est sur le tribord, donc il va pouvoir compenser. Si c'est le côté, c'est plus chiant. Il ne faudrait pas que le vent pousse du côté tribord où le vent où le moteur fonctionne. Le chenal est assez étroit, bouée verte, bouée rouge, il n'y a pas de vent. Et le but du jeu, c'est d'entrer dans la darse là avec un moteur. Et là, c'est vraiment très calme. On voit le fond. C'est bon, il est dans l'axe, ça hein, fils. Il est dans l'axe. Prochaine fois, sans moteur. Oh, oh. Oh. Ah, mais t'as dit. Ah, voilà, ça vous donne une petite idée comment sortir un Lagoon 420. C'est quand même, il fait au moins 14-15 tonnes, je pense, Calino. Mais vous aviez vu déjà l'année dernière à Trinidad. Ouais, c'était pas la même façon. Il était sorti sur... Il n'y a pas photo. Il était sorti chez Powerboat. Ils avaient mis 2 heures pour caler. Et les sangles, moi, personnellement, je trouve que les sangles, c'est franchement l'idéal pour un bateau. Voilà, si les sangles sont placées au bon endroit. En plus, avantage... j'ai tout observé, l'équipe plonge dans l'eau pour placer les sangles, les mecs s'occupent de tout pour placer le bateau dans la darse. Et vous descendez du bateau, ils s'occupent de tout et ils sont pas trop mauvais. Franchement, il y a certains chantiers et le prix est assez correct aussi. Il y a juste l'eau et l'électricité qu'il faut payer en plus par rapport à Trinidad. Mais je pense que le prix est le même que Trinidad, 270 €, il faut rajouter tout le reste. Voilà. Donc, Mais ils vont nous dire exactement les prix exacts. On vous dira le prix qu'il a payé. Mais ça vous donne une petite idée comment sortir son bateau à Kariakou et combien ça vous coûte. On a encore des bananes à bord. Mais là, ils font une pierre de quiz. Hein. Ils voient Jacouille, Choupi et Chouchou. Et le fils. On va faire des yaourts. On va faire des yaourts. On y va. 1, 2, 3. Avec Jacouille, la fribouille, on va faire des yaourts. Tu manges pas que des nouilles. On mange pas que des nouilles. Et surtout, après, je sais pas combien de rhum. Hein, alors. Car ce sont vraiment
de drôle de dame. Bon alors, on va faire les yaourts. Donc il nous faut une cocotte, il nous faut un yaourt, des petits ramequins, des assistantes, du lait en poudre, il nous faut notre doseur. Moi j'ai bu du Perrier. C'est ça, c'est ça, toi. Hein, ouais, celle oui. qui bicole, qui dit choupi. Hein. Oui, il nous faut le lait en poudre. Le lait en poudre. Dans notre doseur. Nous allons mettre 16 cuillères de lait en poudre entier. 1, 2, on avance rapide. 6. Ouais, les bananas, salut, c'est moi, Caro. Ah, on avancera. 9. On va compléter à 1 litre les bananes. Il faut bien le mélanger pour bien avoir la bonne dose. Hein. On rajoute jusqu'à 1 litre. Alors c'est l'eau du dessal ? Oui. On n'aura même plus besoin de Tchoupi pour faire les vidéos. Oui, hein. On va pouvoir demander aux potes. On va faire les vidéos entre bananas. Voilà. Bien, ça. Vous écoutez bien, parce que là, ça devient du sérieux. Écoutez, Maguen. Là, on partage en deux. Donc la moitié d'1 litre, ce qui nous fait 500 de lait. Encore un petit peu. 500%. Voilà. La moitié, je mets dans la casserole. Voilà. Elle va être belle cette vidéo, tiens. Elle va être magnifique cette vidéo. Ouais. Dedans. Qu'est-ce que tu mets? Ah, tu mets du ferment. Alors, non. Non. Alors là, je mets pas de ferment. Attention. Hein. 2 cuillères de sucre. C'est du sucre? Je vais mettre du citron. Comme ça. Arôme citron. Arôme citron. D'accord. Une petite astuce, c'est bien de prendre des petits sachets de tang. Vous vous rappelez le tang qu'on mettait dans la main, qu'on mangeait comme ça quand on était petit, hein? Oh là là. Et ben, on prend des petits sachets de tang aux fruits, à la fraise, à l'ananas, tout ça. Et on peut faire les yaourts aux fruits avec ça. On va allumer le feu sur ma nouvelle gazinière. Allumer la nouvelle feu. Bonjour. Coucou. Donc on met un petit feu. De ce côté, attention, on va rajouter un yaourt. Alors ça, c'est le yaourt de ma première tournée. Donc tu gardes un yaourt de base. On garde un yaourt. Ouais. Alors on peut garder jusqu'à 15 fois. 15 fois l'enjeu. 15 fois. 15 fois. Ah oui, comment c'est ça. Là, on remue bien. Touille. Banane, on touille. Je ne l'aurais pas montré aux bananes. Regardez, j'ai mis de l'eau au fond avec mon petit palmier dessus. Voilà. Je vais mettre à chauffer. Ça marche aussi en navigation. Même au niveau, la machine ne marche pas, moi. Donc là, on remue. Et là, attention, c'est très... Il faut arrêter dès qu'il y a des toutes petites bulles autour. Voilà, il faut avant ébullition. Avant ébullition. Alors là, attention, faites très. Il faut pas que ça dépasse les 40 degrés en fait. Tu vois là? Là, ça tourne. Attention, te brûle pas, te brûle pas. Non. On arrête. Et là, on vient au dessus là. Donc c'est max 40 degrés. Et on mélange tout doucement. Là, tu fais un ongle du citron. Mais tu peux faire à tous les parfums que tu veux. Ou ça touille, ça touille. Ça touille, ça touille. Là, on remet dans notre petit pichet. Voilà, de manière à bien déverser dans les bocaux. Dans les petits bocaux. Là. Donc, normalement, ça m'en fait 9, si je ne me trompe pas. C'est 9 ou 10. Il y a un problème alors. Avec 1 litre, tu fais 9 petits ramequins. Là, tu sais, c'est les petits yaourts que tu achètes à Leader Price. Il faut garder les petits pots là. J'espère que les bananas, vous n'allez pas vomir. Hein, parce que moi, je bouge. Je ne sais pas bien ce que c'est. Vous n'avez pas le choix. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Voilà. Ça y est, c'est bon. Mon couvercle. On éteint la cocotte, les bananes. Je l'éteins. D'accord. On met le couvercle. Ok. Ah, donc tu fermes ton tupperware. Je ferme. Okay. Et petite astuce, je prends ma couverture. Voilà, elle est un peu grande. Hein. Un peu beaucoup. Hein. On met notre pot au milieu. Mais carrément, tu l'enchasses. Je la couvre bien. Okay. Tu fais un paquet cadeau. Je fais un paquet. Et là, je prends, j'ouvre ma cocotte qui est chaude. Vous voyez, il y a la fumée. Hein. Ouais. Je mets mon petit panier dedans. Comme ça. C'est
c'est pas du tout ce qui est indiqué. Comme ça. Et là, on va mettre ça dessus. C'est pas grave si ça ferme pas. L'essentiel, là, c'est que ça ferme. Voilà. Et là, vous pouvez le laisser toute la nuit. Et d'accord. Si vous le faites en journée, au bout de la deuxième tournée, en 2 heures, c'est terminé. Les yaourts sont faits. Bon, ben, les bananes, on aura fait des yaourts. Eh ben, non, dis donc. Non, pas de film. Bon, ben, à demain, on goûtera les yaourts. Hein. J'ai dans ma mère les cheveux de ma mère et j'ai l'héroïsme de mon père. Ah. Non, un petit lion. Encore attends, il faut que je vous raconte quand même les bananes. C'est pas souvent qu'on fait deux scènes, mais là, vous faites deux scènes. Là, ce couillon de Tchoupi, il avait mis sur photo. Donc, depuis tout à l'heure, on se filme et puis il faut tout recommencer. Il n'y a pas de scénario, c'est que de l'impro, mais là, je vous dis que non, celle-là, on l'a déjà fait juste avant. L'impro d'avant était pas mal. Et voilà. Et d'ailleurs. Quand tu me coupes la parole, essaye de dire quelque chose de sensé, tu vois. Ben voilà, elle n'a rien à dire. Si j'ai plus rien à dire, regardez bien ce qui va se passer. Allez. Donc, les partenaires, je fais. Les partenaires, on vous embrasse. Donc, vous saviez, la mission ultime, c'était de retrouver notre fils après 3 ans de séparation. Et ça, c'est fait. Ça, c'est fait, les bananes. C'était. Par contre, une chose qu'on ne vous avait pas dit, une chose qui était programmée, nous allons arrêter la chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'il raconte mon projet ? Si vous voulez pas que ça s'arrête, les youtubeurs, vous avez intérêt à mettre un pouce. Ça se dit pas, vous avez intérêt, c'est vachement mal de poli. S'il vous plaît, ce serait gentil de mettre un pouce, de commenter et d'activer la cloche. Et de vous abonner. Ce n'est pas un abonnement Canal Plus. C'est que vous n'avez pas payé 29,90€. Après, non. Si vous voulez payer, eh ben vous allez sur Patreon. Voilà. Cher Patreon, on vous adore, on vous aime. C'est Patreon, on vous embrasse. Les partenaires, on vous embrasse. Les youtubeurs, on vous embrasse. Toutes mes ex-copines, je vous embrasse. Ça va pas, là. Mais t'es malade ou quoi? Non, non, mais ça va non, pas, c'est pas ce que tu crois. Attends. Mais il est pas bien, il est malade. Oh putain, je vais te balancer un possédon. Oh, il fait pas beau aujourd'hui. À la semaine prochaine, quoi. On vous dit à la semaine prochaine, parce que la chaîne YouTube ne va pas s'arrêter là. Peut-être qu'il y aura une ou deux vidéos de moins le mois prochain, parce qu'on a des petits trucs à faire. Et voilà, là, j'ai couillé constipé. On vous embrasse les bananes. On vous embrasse, gros bisous les bananes. Ciao.